pour nous, c'était une chance. Donc, c'est pour cette raison que plutôt que d'attendre le dernier moment pour organiser un concours, on a voulu l'organiser suffisamment tôt. Et donc, ça nous a permis justement de pouvoir intervenir directement sur le bâtiment et pas seulement en apportant après coup une œuvre d'art, que ce soit une sculpture ou autre. Donc, de cette façon, on a vraiment une œuvre qui fait partie intégrante du bâtiment. Ce qu'on lui donne, c'est le support, c'est-à-dire le bâtiment. Et il s'est tenu au rez-de-chaussée des bâtiments, ce qui nous plaisait bien parce que nos rez-de-chaussée sont un petit peu particuliers par rapport aux étages. C'est qu'ils sont doubles, on a ces grandes halles qui vont jusqu'à 5,40 m, 5,50 m de haut. Donc ça lui a permis de faire des formats qui sont vraiment très très grands. C'est le seul artiste où on avait vraiment le lien entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Donc ça veut dire que, contrairement à d'autres projets, celui-là, on le voit aussi bien quand on est à l'intérieur qu'on travaille, que quand on est à l'extérieur et qu'on passe dans la rue ou du côté des voies de chemin de fer. Donc pour nous, c'était important parce que ça fait quelque part le lien entre ce qu'on fait dans la maison et la société avec laquelle on vit.